Et encore une fois, le micro qui se fait mettre à zéro, il est gentil. Bonjour à tous, bienvenuto dans le petit Nisak de la détente. Merci Benkis pour l'hébergement, c'est très gentil. Ça commence bien déjà. Ce qui fait qu'on me met déjà la pression. Alors, qu'est-ce que j'avais à faire déjà? Ah oui, faire le côté infernal plus Hush, ce qui fait que ça va être chiant. Mais bon, on va le faire. Allez, c'est parti. On prend son temps. Ah oui, je suis pas sur la fenêtre. Je suis sur la fenêtre du live, pas la fenêtre de... Bon, qui dit Hush dit je suis pressé, dit allez, on prend... Pas la peine de... Oh bah cool, XL avec toi. Allez, vas-y, je prends ce qui passe, je me fais pas chier. Bien, bien. Alors, ça fait un petit moment que j'ai pas rejoué. Ça va être dur de se remettre dedans. Enfin, ça fait un petit moment. Bon, semaine, quoi. Vu que je ne suis pas un aficionados ultra vénère d'Isaac, bien que c'est un très bon jeu, ce n'est pas le jeu que je vais pourrir tous les jours pour le plaisir, bien que je l'ai fait juste un moment. Reculé. Petit bâtard. J'ai pas laissé de cœur. Bah non, il n'y en avait pas. Ça commence très bien. De toute façon, après, je m'en fous. Mais Benkis, comment tu m'as trouvé? Tu finissais ton live et... Oh, j'ai réussi à l'esquiver, non? Dis donc, j'y croyais absolument pas. Alors, oui, certes. Je suis joli maintenant, j'ai des belles dents, j'ai des dents de vampire. Les vampires... Ah, c'est tellement bien de se dire que j'ai pas besoin de... chercher le fucking méga Satan. Hop là. Il... Toujours pas récupéré mon cœur. La Loc est avec moi. Clairement. Clairement, la Loc est mienne. Ça va être très chiant. Je vais devoir changer de technique. Là, ça va être trop chiant de trouver la bonne mesure. Et ça va être très chiant de lancer. Bon. J'ai pas envie de faire le fantôme. Je peux le faire sans le fantôme. Bon, d'accord. En fait, je vais le faire en fantôme parce que sinon, je vais jamais y arriver. Je vais jamais le faire. C'est pas grave. On s'en contrebalance les steaks. Allez. Ah. Bon, je pourrais mourir, je m'en foutrais en vrai. Merde, moi je touche. Je voulais revenir en moi-même. Et voilà. J'avoue, à part sur la face bas, tu fais du speedrun d'Isaac. Et en fin de run, j'aime bien. Ah, c'est gentil. Moi, je fais pas du tout de speedrun. Loin de là. Très loin de là. J'aurais dû le doubler. Ouais, puis... oh, je sais pas quoi faire. Allez. Je fais de la merde. C'est déjà pas mal. Dégage. Je te bifle, moi. J'ai dit je te bifle. Ah, cool. Oh, les visions, parce que voilà, ça va me servir à aller plus vite. Comme ça, comme ça. Non, moi je suis tout seul. Moi je suis juste joué pour moi. Pour mon plaisir. Après, si je peux réussir à faire le 1001%, là, je sais plus, le truc où t'as tout fait, ça me ferait plaisir parce que je me dirais tiens. J'ai commencé mes lives sur ça. Je me dis, ça fait quoi ça? Il fait ce nuggets. D'accord. Certes. Je... Oui. Oh, dis donc, je suis un caca, je fonce sur les ennemis. C'est absolument pas ce qu'il fait le nugget. Il fait juste popper un petit...
Nugget, je l'ai eu il y a pas longtemps. Puis j'ai un gros caca. Oui. Ah merci. Bien que c'est pas mal le vampirisme malgré tout. J'avoue. C'est pas mal, c'est pas mal. Donc, une qui, c'est toujours sympa, Torche. Oh, je vous aime pas, vous. Bien. Bien le bonsoir. Ah bah tiens. Nico. Oui, toi tu dis bonsoir parce que c'est le soir. Moi, we are not le soir hein, ici. Hein. Il est 5h. 5h de l'après-midi. C'est un peu tôt là pour être le soir encore. Et encore très bien jour. Vu que nous, à 5h, il fait encore très jour. On est loin des Philippines. On est loin du temps hivernal des Philippines. Oui, parce que beaucoup de gens ont toujours tendance à oublier que bah, dès que t'es dans le sud de l'hémisphère, alors que toi t'es censé être dans le nord, c'est l'automne là, l'automne. Les saisons sont pas les mêmes. Mais comme il fait quand même chaud, il est 23h20, d'accord. Bah, c'est bien. Oh petit con là, tu veux mourir? Tu me fais perdre du temps. Ouais. Quand même. Mauvais. Yera. Cool. Yera, Yera. Je fais le brownie, je sais pas ce que ça fait, mais... Hey. Oh, ça... je me prends le dégât, mais je me soigne. J'aime bien l'idée. La main qui se crame. Oh le boss qui se tue. Oh ce con. Au niveau de la humidité, c'est comme en automne, ouais. Mais c'est la période la plus chaude de l'année. Bah oui. C'est là où c'est un peu bizarre hein, quand même. Hein. C'est des saisons comme... c'est les chaleurs comme partout, mais c'est des saisons un peu plus inversées en luminosité, vu que c'est pas débile du tout. C'est pas absolument pas impraticable. Oh là, je vais crever comme un caca. Bon, d'accord. Non, c'était pas ça. Ghost time. Trompé de touche. Y'a du monde. Y'a du people. Pour ce soin, pas gentil. Very nice le jeu. Bon allez, boss time. Oh. Là c'est chiant. Voilà. Alors, en blaguant, les Philippins disent qu'ils ont deux saisons chaud et très chaud. Tu m'étonnes. Ouais, c'est sûr. Pardon, j'oublie que je suis au cac. Allez. Les étrangers reprennent en disant non, c'est très chaud et l'enfer. Moi, je pourrais pas supporter de vivre là-bas, hein. Je le sais déjà. Hein. Moi, je peux pas. C'est-à-dire que physiologiquement, je supporte très mal les chaleurs parce que je fais des migraines. Je fais des migraines affolantes dès qu'il fait trop chaud ou machin. Enfin bon. Je réagis comme un animal. Un animal qui est pas dans son environnement. Je suis pas très confiant de cet objet. Non. Je
suis pas très confiant de ce qu'il propose. Bon, un coup en passant. Donc ça reroll parce que ça va sûrement pas popper tout de suite. Ah, pile au moment où j'ai fini de boire. Ouais. Allez. Non. Je veux pas de toi. Ah bah cool. Ah, génial. Ouais. Tu me fais pas bander avec cet objet. Oui, 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 oui. Ça, je peux taper comme un bourrin. Après, c'est sûr, oui, si tu t'attendais à pire niveau chaleur, je comprends que ça va. Ah, du coup, ça a pas baissé mes dégâts? Ah oui, bah oui, la portée est descendue, mais... Ah, y a nos portées. Donc c'est cool. Bon, à part là. Ah, c'est pas mal le numéro 1 pour ce perso. Quand tu sais jouer. Quand tu sais jouer, c'est pas mal. Dis donc. Ah là là. Quand t'es un caca et que t'es un caca. Peu importe ce qui s'approche de moi, meurs. Donc, c'était pas par là. Oh, oh le beau. Bon, j'aurais mis un cœur rouge. J'ai une super tête de squelette quand même. Ma maman dit que je suis le plus beau. Ah bah quand même, dis donc. Allez. Merde. Wow, c'est dégueu. C'est dégueu comme room. Eh, je suis désolé, une pièce est une pièce. Oh. Merci. Non. Si. Des vacances, ce truc d'enculé. Je dis ça gentiment, hein. Je dis ça gentiment, hein, même si je le pense méchamment. Oh, cool. Bien. Bien, bien. Con. Reviens! Tac! Ah! Bien fait pour ta moule! Eh, je peux même prendre un Devil Deal. Pas classe. Ça va pas trop me servir, je pense. Ah! Qu'est-ce qu'il y a de mieux? Qu'est-ce qu'il y a de... Baf! Attends, c'est juste le pentagramme. Oh, l'enculé! Mais enculé gentil! C'est ça! Bah non! Tu méritais tes... Je dis pas que tu mérites pas tes vacances. Au contraire, tu mérites beaucoup tes vacances. Tu fais partie des gens qui méritent beaucoup de vacances. Mais, pas content quand même. Du coup, ça va peut-être mieux que je prenne le clou. Attends, je me rappelle plus des bonus qu'il donne. Genre, c'est tellement longtemps que je l'ai pas utilisé. Prends les deux. D'abord le nail. Ah oui, bah non, parce que je me rappelle plus le nail ce qu'il fait, j'avoue, là. Je me rappelle plus absolument ce qui rend le nail. Je me le remets juste pour moi, c'est juste... oui, je suis un gros con, pourquoi je fais pause? Puis tu remets un cœur et tu prends... Bon, vas-y, let's go. Donc je passe en mode fantôme, hein, parce que je suis pas con non plus. Voilà. Donc je l'active et
Je pense que c'était ça, je l'active et après c'est noir. Ce fantôme qui pisse. Un fantôme qui a de l'urine quand même. Faut y aller hein, quand même. Hein. J'avoue. J'avoue, un fantôme qui pisse. On a vu. Attends, où le nez? Du coup, je l'ai pas retrouvé sur l'appli. Elle est où? N. Ah, il est rangé à The. Oui, d'accord. Attends, attends. Bah alors. Non, pas vous savez que je suis allé dans la mer en short plus t-shirt. Bah, dans un sens, t'as pas totalement tort. Add a soul heart and a lost brick rock. Bah, non, ça va me tuer si je le fais. Bah, assez de cœur. One shot. Fallu que j'ai plus de cœur que ça. Bah, fallu que j'en ai déjà 4. Ah, ouais, ok, je pouvais le prendre. Mais si j'étais sorti de la pièce, je l'aurais perdu. Faut que tu l'utilises juste après avoir pris l'objet. Oh, ces techniques à la con que je vais sûrement jamais réussir à faire. Bon d'accord, j'ai réussi à le faire, mais je vais crever quand je sors. Non? Ah non, ça passe. Ok, non, bah je n'ai rien dit. Cette tête qui veut plus rien dire. De frame d'un... Ouais, mais je... Bon, je me dis que, hein, on sait jamais. 2XL, waouh, le jeu il est généreux. Enfin, généreux. Waouh. Wow, j'avais oublié que j'avais autant de dégâts. J'avais zappé ça. Genre 2 secondes avant de moi. Oh. C'est marrant, des fois j'ai l'impression que c'est moi. Est-ce que ça a une valeur avec lui de prendre ça? Que du coup, il vise pas au sol, on est d'accord. Par contre, si je suis en mode fantôme, c'est de la merde. Ah, du coup, j'ai envie d'essayer pour savoir, parce que est-ce que ça peut pas me booster? Non, ça va rien faire, cette. Et du coup, c'est censé juste donner du DPS en plus. Et où cet objet de merde que je n'utiliserai jamais, que je n'utilise jamais de ma vie, à part cas ultra exclusif. Ouais non, c'est juste ça. Non, ça sert à rien. Aucune utilité. Aucune utilité. Pots up, j'en veux pas. Allez. Blen. On se casse. On va faire la pièce la plus grande parce que ça laisse plus de chances d'avoir des ban rooms. Et encore un truc, hein, si tu prends l'objet et que tu n'as plus de cœur bleu, c'est pas grave si tu reviens sous ta forme squelettique avant la fin des frames d'un objectif. D'accord, ok, bon. C'est bon à savoir. Oui, ah, faut que je prenne l'objet. Je suis désolé, mais on a un énorme décalage, hein. Et pourtant, normalement, c'est du tears up. C'est quand même du tears up. Bon, si ça me pourrit sur le fantôme, par contre, je vais râler. Ah oui, c'est du tears up, en effet, ouais. Non mais... J'avais le doute, parce que je me disais... J'avais le doute. Bon, où est l'autre room? Où est l'autre room? Oh, toi, par contre, je vais te détester, alors... Bah, faut mourir, messieurs. S'il vous plaît. Excusez-moi. Je vous cherche, hein. Je mets du temps. Ok, c'est pas ici. C'est toi qui écris. D'accord, non, non, mais... Si t'es sur portable, je comprends. C'est normal. Oh, putain, il a été super vite. Il est Gonzales. Arriba. On va pas. Déjà? Waouh. Pourquoi je l'ai tué? Parce que merde. Donc en fait, tu veux me dire que pour je peux piquer un Devil Deal avec en étant en fantôme, genre je prends un Devil Deal en fantôme et si je re-switch avant, je suis bon quand même. C'est quoi cette carte? J'ai jamais eu. Pas cette connerie.
Ah, ouais. Je vais chercher le cœur qui était en... en disponibilité, c'est toujours bien. Ça m'évite d'en perdre. Ah oui, le beau caillou. Oh, c'est toujours un cœur en plus. Exactement. Bon, bah d'accord. Il me manque un item. Où est ce deuxième item? Pourquoi je suis allé là? Parce que réflexe. Ah, je pense. Ça allait, alors. Par en bas. Wow, petit caca. Ah, la petite merde. Les phrases que l'on dit tous sur Isaac. Ah, cette petite merde. Mais tu pourras plus te transformer. Ouais, mais. Vu que je me transforme jamais. À part vraiment dans des cas. C'est-à-dire que c'est clair que pour faire Hush, ça va être peut-être un peu limite. Mais après. Et tu peux en récupérer donc. La carte, c'est une nouvelle carte, elle donne le droit de prendre une touche gratos. Ah oui, c'est un Holy Mantle, d'accord, oui. J'ai pas tilté de une touche gratos. Oui, c'est un Holy Mantle. Icon. Oui, cette carte, oui. Maintenant que tu me le dis, ça me revient. Mais j'ai dû l'utiliser qu'une fois, je crois. De grandes mémoires de poisson rouge. Ah, c'est gentil. Je sais que j'aurais pas dû le prendre, forcément, mais... Rien à foutre! Allez! Non. Clairement, non. Ah! Ouais, mais le nail, il fait déjà le taf. En soi. Le nail, il fait déjà le taf. Il fait l'équivalent en me donnant même des boosts, donc... D'ailleurs, le nail, ce qui est chiant, c'est que je me dis, est-ce qu'il faut que je le garde pour un Devil Deal? Ou est-ce qu'il vaut mieux que je le garde pour le boss? Pour le boss, c'est sympa, ça me permet d'avoir un peu plus de patates. Bien que j'en ai pas forcément besoin. Non, je vais garder le nail. Si jamais. Ouais, c'est bif bif. Est-ce que... Attends, j'ai une question par contre. Est-ce que je peux prendre le bouquin, reprendre mon nail, et après reroll l'item qui est dessus? Est-ce que la machine marche encore? Genre, tu peux toujours reroller l'item tant qu'il y a un item sur le piédestal, qu'il a pas... Ça, c'est ma vraie question. Parce que ça fait plusieurs fois que il y a des cas où je me dis, tiens, est-ce que ça vaut pas le coup de juste prendre l'item pour avoir le buff ou l'effet de transformation, si jamais il y en a un. C'est un peu spécial quand même. Ce qui est bien, c'est que Nico, je vais encore t'endormir, même aux Philippines. Ce qui est dégueulasse, c'est que c'est pas madame qui t'endort. Pourtant, elle pourrait te donner un coup de main, et c'est pas un sous-entendu. Sinon, j'aurais dit un coup de rein. Désolé. Pardon, madame, si vous êtes là. Oui, et le bouquin va en plus te donner un boss chevalier de l'Apocalypse. Ah, je savais pas. Que ça donnait des items. Elle dort déjà. Je savais pas que ça faisait popper les mecs. D'ailleurs, je devrais l'utiliser comme un gros con. On va ne pas le faire. D'accord, bon, hop. Je pas de cet item. Non plus. Je vais ouvrir le... Là. Ah bah. Bonjour. Ouais. Donc, est-ce que j'utilise ces batteries? À quelle question je peux bien les utiliser? Oh là, il y avait Bloom. Vas-y. Ah oui, 5 bombes gratos, c'est vrai. J'utilise tellement jamais ce truc. Quel escient je peux l'utiliser, parce que... Les batteries... Bon, je vais reroller en tout cas, parce que... Ah, j'aime bien celui-là, quand même. J'aime bien cet item. Ouais, mais ça marche que si je tire. Oui, c'est ce qui est complètement con, parce que... Je suppose que ça marche pas du tout avec le... Putain, mais mon hush, je vais tellement jamais le faire. Ah, si, y a moyen, quoi.
Est-ce que ça marche avec le squelette? Comme c'est pas un tir, c'est un slash. Ça va pas marcher du coup. Ah dommage. Ah c'est dommage, j'aime bien cet item parce que le fait d'avoir des mouches et tout, c'est toujours grave. Je me suis raté lamentablement, j'ai ripé avec ma mort. Bienvenue pour du gameplay Forgotten. Je suis désolé, on n'est pas là pour parler anglais. Sorry. Sorry, no English here. Sorry, sorry. Que j'ai pas envie aujourd'hui. J'ai tellement pas envie aujourd'hui. Hey, bookworm. No English here. Only French. Oh, bâtard. Quel petit bâtard. Bof. Bon, il est où le boss? Oh, allez, j'en ai marre. Je vais faire le boss parce que je suis prêt. I am pressé, I am pressé. Nanana. Bien. Oh, je vais me donner. Oh, merde. Je vois absolument rien. J'ai le carreau. Là, il fait trop lumineux. C'est un peu chiant. C'est un tout petit peu chiant. Oui, je l'ai viré à 15 km. Quoi ce bordel? Je l'ai viré à 15 km, c'était très bizarre. Très 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 bizarre. À foutre. Bon, d'accord, là moins quelque chose à foutre là. Oh non, petit salaud. Quel petit bâtard. Il sait que je peux, que je dois le taper. Il le sait. Il en a conscience, je suis sûr. Il en a clairement conscience. Voilà. Ah ah, mais le double tap dans son fion. J'ai rencontré un Américain aujourd'hui, j'attendais en bas pendant... D'accord. Bon, du coup, vaut mieux que je fasse ça. Si je prends Abaddon, du coup, ça me donne max de cœur rond, de cœur noir, de mémoire. Ce qui fait que c'est ultra bénef. C'est ultra bénef d'abandonner. Tiens, d'ailleurs, attends. Grande question. Oui, du coup, je me retrouve avec la marque. C'est de la merde. Le seul truc qu'il connaît de la Belgique, c'est notre usine d'armes. Ah ouais, bien. C'est... dont on n'est pas fier du tout. Je veux bien comprendre. J'entends bien que c'est de la merde. C'est pas très prestige, quoi. Hein. C'est pas très prestige positif. Bon, allez, abandonnons. Ah oui. Ouais, Léviathan. Cool. Ah, j'adore le fantôme, il est Léviathan aussi, c'est trop fun. Bon, l'autre machin, j'en ai rien à branler. Allez, go. Et du coup, j'ai perdu mes cœurs rouges. Mais j'ai pas les cœurs... J'ai toujours les cœurs d'os. Ça, c'est... spécial, quand même. Bon, en gros, faut que je fasse gaffe. On va faire gaffe. Allez, les mimines, revenez. J'ai pas vu. Good. Il peut me donner les cœurs. Il va me donner zéro cœur le jeu. Zéro. Je vais l'avoir dans le fion. C'est dommage ici, il y a personne qui va savoir dire 8 à part moi quand même. Oh j'avoue.
Je joue le risque. Waouh! Bon d'accord, jouons pas le risque. D'accord, le jeu il m'a fait non. Non. Clairement, 4 fois non. Non. Je veux pas. Quoi celui-là? À chaque fois celui-là. C'est lequel celui-là? Je suis perdu. Je sais jamais quel signe du zodiaque c'est. Je sais jamais, c'est le scorpion celui-là, non? Non, scorpion il a la pointe. Non, Virgo. Ah. En soi, ça peut être bien. Si, en soi, ça peut être pas mal. Ça me rend pas des cœurs, Virgo. Bon, allez. Une invincibilité, c'est toujours un bonus. Quand on peut l'avoir. Surtout que je peux bourrer comme ça le fion de ce qui m'a touché. Non, les Belges, vous avez que la bière qui est fière. T'en parles dès que tu peux. Ouh, j'ai été juste. J'ai été très juste. C'est absolument pas ce que fait la couronne. De la chimie. Ça y est, les mecs, ils sont partis à parler binouze. On crée plus qu'ils parlent meuf après. Bon, j'ai perdu un cœur, c'est pas grave. Putain, le jeu qui est radin as fuck. T'as goûté les bières philippiniennes et... Vas-y, annonce. Annonce la couleur philippinienne, histoire qu'on se marre. Merde les squelettes. Un cœur noir. Mais ça va. Un poulet à la bière. Oh là là. Pauvre poulet, il a rien demandé. En gros, ils ont la Sun Gus. Une simple piste, pas grand chose. Ça fait le taf pour. Ah, d'accord. Genre, on parlait bière et moi j'y comprends absolument fuck rien parce que je bois pas. Ah. T'as pas des cœurs rouges plutôt? Petit con? Non? Ah, oh, une pilule, allez. Bon, d'accord. Une carte. Fuck it, bon. C'est en Dax. Oh, il pue. Ma foutre. Et peut-être un cœur dedans, mais non. Non, rouvre. Je vais bercer dans la bière. Non mais moi je peux ni te parler ni de bière, ni de vin, ni de rien. Je te parle de limonade par contre, ça va, ça je connais. El Señor Limonado, c'est moi. Mais sinon... c'est pas assez juste, mais c'est pas ça. Le boss qui a décidé de se foutre 15 km. Juste pour me faire chier, j'adore perdre mon temps. Ah bah voilà des cœurs, ça fait sympa. Par contre, j'avoue, trouver un cœur d'os, c'est tellement rare. Oh. Bien.
con. Je suis allé dessus direct. Ah, t'as peur, hein? Con. Oh, je l'ai eu, dis donc. J'ai eu le DVD. Ok, bah, du coup, pour tout prendre. Le Major Tears Up, c'est toujours classe. L'autre, non. Je vais mettre un peu de. La Red Horse, ils sont assez fiers de celle-là, j'étais impatient de la goûter. C'est une bière blonde qui considère comme fort. Aucun caractère, pas de goût particulier. J'adore. J'adore comment vous parlez bière, ça me fait trop rire. Ça me fait beaucoup rire. Je trouve ça fantastique. Ouais, attends. Oh bien, oh bien. Lock up, je veux un deuxième lock. Ah non, merde, c'est. Balls of Steel. Ok, le jeu, si t'as envie. Allez. Ah oui, non, je suis à même. Merde. Bon, j'ai encore mes chances d'aller à Hush. Même si Hush, je le sens absolument fuckingment pas. Je sens que Hush, je vais avoir trop de mal à le faire. C'est laquelle, celle-là, Ball of Steel. Bon, regarde. C'est sacré la bière. Mais l'amour, c'est sacré. La bière, c'est rien. La bière, c'est pas important. Isaac, c'est important. La bière. Ça ne m'empêche pas d'en boire. Oh putain, je me passe niveau. Le bâtard. Un cœur rouge, il est où? Stack. Moi je suis désolé, j'ai qu'un vice et c'est le meilleur. Et vous pourrez pas m'enlever ça. Non. Après. Ah, pas mal. Ah non, j'aime pas. Je déteste ces phases. Phases de merde. Ah, ça va, je le suis. Tac. Ah, c'est pas ça. C'est rare d'avoir cette salle. J'avoue. Jamais eu. Ah, si, j'ai dû l'avoir une fois. Mais moi. Hein. Ok, bon. Pas la pire salle, pas la meilleure. Ah oui, non. Goodbye, mother. Oh non! En même temps, j'ai déjà eu tellement de Devil Deal, j'avoue. J'avoue, j'avoue. Bon, par contre, je dois être à un demi-cœur. Tout à l'heure, un vendeur voulait me faire goûter des gaufres. Fais attention à la recette américaine. Je lui ai dit que je venais du pays de la gaufre. Il voulait me l'offrir pour que je goûte et que je lui donne des conseils. Ha! Moi, je viens du pays de la romance sexuelle. J'ai le droit de... Non.
On peut pas négocier. Pourtant... Pourtant, j'ai des choses à donner. Alors, on se prend un shot et on est mort. Peu importe qui, peu importe quoi. Cool, je vais crever dans 5 minutes. Bon, ok, je vais crever dans 1 minute. J'adore t'avoir avec moi, tu fais tellement le taf. Eh, d'où vous mourrez plus d'un coup, là? Jamais sûr la différence entre ceux qui font un... T'inquiète, t'es blanc, va aux Philippines, tu vas avoir du succès. Ouais, mais je veux des femmes, hein, pas des faux hommes. Pas des fausses femmes. Bon, hein. Il y a un moment, hein. Et puis, j'aime pas les enfants. Et si tu veux faire le taf, I let you faire the taf, mon gars. Voilà, il a fait le taf. Moi, j'ai rien branlé. Ah non, mauvais côté, chier. Du coup... I need le boss. I need le boss. Par là? Ah, y a moyen. Magician. Ouais, magicien en vrai. Des messieurs dames, oui. Quoi? Comment ça se fait que j'ai ça? D'où il y a une item room? C'est la couronne de sang qui fait ça? What? J'avoue, je bite rien là. Du succès avec les dames. Oh, du succès avec les deux. À toi de faire la différence. En général, ça se joue sur la taille. Les femmes dépassent rarement 1m60. C'est vrai que... C'est vrai qu'il y a quelque chose. Et tu le sais, parce que la tienne dépasse 1m60, c'est pour ça. C'est le bon, celui-là. Ouais, c'est le GB bug. Oui. Bien ça. What? Mais what? C'est quoi ce bordel? J'aurais pas avalé le trinket couronne rouge? Si, si! Mais pourquoi il y en a même deux? Je suis sur Excel? Ah, je suis sur Excel! En effet! Ok! Et bah, c'est une surprise! Donc, du coup, là, machin magician, ça. Ton ex dépassait 1m60. Bah oui, tu m'étonnes! Ouf! Ah, d'accord, ok. Allez, ouvrez votre moule, là, les deux. Tiens. Vite, le boss. J'ai pas le temps. Culé. Et je vais mourir comme un caca. Oh, tout doux, tout doux. Tout doux, les mobs. Vous êtes gentils, mes petits alliés, mais il va falloir se calmer. Ouais, mais bon... Putain, y a pas un cœur rouge sur le terrain? Ok, bon. Oh la vache! Le mob qui a fait le taf! Le mob, il est arrivé, il a fait. Laisse. Laisse. Je vais te sauver. Je te sauve ta life. Ok. Le mob, il a décidé de faire le boulot tout seul. Le PGM. Le machin, il arrive, il fait. Nope. Mais nope. Bon, fantôme, parce que là, faut pas être con. Faut pas être con. Fantomon, Fantominus. Où est ma cible? Ah, d'accord. Je suis censé avoir la visée automatique. Putain, qui c'est qui m'appelle? 2 secondes, on me téléphone. Je reviens. C'est pour le boulot. Oui, mets-toi derrière le squelette. J'oublie, je suis désolé.
Putain, les gens qui me font chier là. Qui me font tellement chier. Mais j'oublie de mettre derrière le squelette, ça va. J'ai une petite mémoire. J'oublie qu'il fait ça, le squelette. Bon, pas les lasers, hein, faut pas déconner. Bon. Je vais tellement pas y arriver, Hush. Hush, ça va tellement pas passer. Putain, j'ai même pas assez de clés, je parie. Ah si, pardon. Ah bah. Ouah, cette générosité. Ouah, cette générosité. Ah, ça c'est généreux. Ça, par contre, là. Là, je cautionne. Là, c'est généreux. Bon, il propose. Oh là là, les gens qui m'appellent. Du coup, est-ce que ça a un intérêt que je prenne le machin? Ça fait quelque chose? Après, pour le mode fantôme, oui. Mais... Le holy. Ouh, le holy shot, ça peut être bien, je pense. J'aurais dit, hein. Bah, après, entre le holy et le brony, bon. J'aurais dit quand même le holy, à moins que le brony se recharge, mais... Et que ça a un vrai intérêt. Tears up. Ça donne du tears up. Oui, c'est vrai. Ça donne du tears up. Et du coup, il y a quoi au magasin? C'est quoi le truc en bas déjà? C'est... J'ai Magician qui me sert absolument à rien maintenant. On va se mettre un petit cœur. C'est toujours la sécu. Ouais. C'est quoi la boîte? Mais t'es mieux à prendre le holy. Ouais, souviens. Est-ce que ça vaut pas le... Ça, c'est pas un truc qui me fait deux places comme... Non, je sais plus c'est quoi. Ouais, non, c'est de la merde. Est-ce que je peux pas prendre la Pandora's Box et dropper un truc? Ouais, du coup, là, tout de suite, il y a une meuf qui vient de m'appeler, qui est en gros une chorale locale. Pop un trinket quand tu as activé. Ah, c'est vrai. C'est vrai. Bon, allez, vas-y. Vas-y, j'ai pas de trinket sur moi, peut-être je vais avoir le trinket de la vie. Le trinket qui fait le taf, ou un trinket qui est une merde littérale. Hein? Voilà. Et 10 pockets, 2 places pour rien, ouais. Ah, du coup, il y a une meuf qui m'a appelé pour une chorale, genre... Et la photo est pas diffusée, j'étais là, bah ouais, je suis désolé, je peux pas y faire grand-chose, hein, c'est comme ça. Et là, le journal n'a pas décidé de la passer, voilà quoi. En même temps, votre chorale, c'est de la merde. Vous venez, vous me demandez à chaque fois pour des petites photos. Bon, alors, stratégie pour... Parce que se planquer derrière son corps, c'est bien, mais ça fait pas le taf. Je suppose que ça passera pas bien, ça passera pas assez. Ça va tellement pas être assez suffisant. En plus, avec le fait que maintenant, la visée... Bon, bien que la visée est assistée, si je la place bien, normalement... Je peux le faire. Le wifi a sauté. Et du coup, il a atterri maintenant? Il est retombé au sol? Parce que s'il a sauté, il a sauté haut, il a sauté loin? Cette blague qui me donne rien dire. Là, j'ai qu'une chance. J'ai tellement pas de life. No chance, no life. Je vais tellement pas y arriver. Ça me fait un peu chier d'être arrivé là et de pas le faire. Mais bon. Allez, let's go! Et mon mignon! What? Et bah, c'est déjà mal parti. Ok. Ah oui, avec cette portée de caca. J'ai oublié ce léger détail. Très léger détail. Très très léger. Very léger le détail. Approche-toi de moi.
va tellement pas passer. Ça va tellement pas le faire. Bon, première phase faite. Bonjour. S'il vous plaît, mourez. Vite. Gameplay passionnant. Du coup, quand ça déconne, je redémarre le routeur à distance. D'accord. Ah. Ah, du coup, je le bloque. Oh. Genre, il peut pas avancer. Ah ouais, d'accord. Ok. À ce point. Ah, attends, ça va pas bien, là. Ah bah. Holy shot m'a un peu sauvé le cul. Mais j'avoue, c'était pas cool. Il faut que je me méfie, voilà, quand il fait ça. Oui, m'a visé. M'a visé, voilà. Et les mouches, allez vous faire mettre. Est-ce que ça marche contre ça? Ah, là je vais m'en prendre une. Voilà. Bon, je suis mort. Je suis crevé. C'est pas grave. Pas le temps de switch la distance, ni la direction. Il a pas encore fait les petits, c'est bizarre. Voilà. Je pouvais rien faire, j'allais me faire tuer. J'allais me faire tuer quoi qu'il arrive. Dommage. Ça me fait un peu chier de jouer là. D'être arrivé là et de... Je vais en chier à y retourner. Et c'est... Non. Pas d'accord. C'était nul. C'était nul ce qui se passait. C'était pas un bon... C'était pas loin. Oh si, c'était loin. Ouais. Il avait même pas commencé à faire les autres attaques. S'il avait fait les autres attaques, ça aurait été 10 fois pire. Ouais. Mais comme il était collé à moi, si je me prenais un coup en fantôme, je mourrais. Si je sortais du mode fantôme, je mourrais. Donc c'était... Bisby, c'était pareil. Ouais, non, là, c'est pas génial. Ouais, bah, content de t'avoir rencontré aussi, c'est gentil d'être passé. C'est gentil d'avoir host. Pas sympa. Wow, c'est tellement de la merde. Tellement nul comme objet. Ah là 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 là, je suis un peu démotivé d'un coup, là. C'est quoi celui-là déjà? C'est Zodiac, c'est ça? Ouais, c'est ça, ça me met un effet du Zodiac, peu importe lequel. Et ça change à chaque étage, je crois. Ou ça change à chaque machin, je ne sais absolument pas. C'est lequel celui-là? Ouais, non, c'est ça. Oui, il stream, il fait du speedrun d'Isaac. Ce qu'il m'a dit tout à l'heure en arrivant. Du speedrun d'Isaac et apparemment il avait fini son stream et du coup il m'a host. Ah, ça reste une grosse commu hein, malgré tout Isaac. Bon, après moi je sais que je suis pas forcément très inclus parce qu'au final c'est une grosse commu de speedrunners pour la grosse majorité. Parce qu'une fois que t'as fini le jeu, bah du coup c'est plus très intéressant. Jusqu'au moment où... Merci pour le follow, c'est gentil. C'est vrai que c'est plus très intéressant une fois que t'as fini le jeu et que t'as pas envie de speedrunner ou faire des races. Du coup... Après, bon... Content d'avoir fait une tentative.
Maintenant j'ai follow. C'est gentil. C'est gentil. Il ne serait que le 111e. 1-1-1. Ce beau chiffre. Ce chiffre plein de number one. Bah voilà. Bon, désolé, j'ai pas encore follow, moi. Je follow back en général, mais là, bon, pas pendant le live, hein, faut pas déconner. Je suis pas non plus à ce point. Nact, c'est qui fait pause, il follow tout le monde. Quoi? Ah non, mais bon. Ah, je veux dire. Ça me fait toujours marrer de follow back quand t'as les mecs, ils ont une personne, je fais. Du coup, ça fait l'effet, ça. Ah non, ça fait un double. Ouah, c'est pété. Ouah, je veux bien. Allez, je joue pour le fun. Là, pour le lol. Allez, le gameplay lol. Le gameplay pour le lol, rien à foutre. Je trace. Et c'est seulement pour le lol. Mais j'avoue, c'est très drôle. Je pensais pas que le Wiz ferait effet comme ça. Ah, des bonbons. Alors, dis donc, méchant. Oh putain. Je me fais kéblo pile à l'angle. Ah là là. Quand t'es mauvais, hein. Après, j'aime bien le gameplay du squelette en soi. Skeletor. These are forgotten. Pourquoi elle a gueulé Isaac? C'est très chelou. C'était très bizarre. Why? Why are you saying that? Oh, quel con! Putain, j'avais un beau Devil Deal. Bon, allez. De toute façon, j'ai dit que c'était pour le lol. Non, je l'ai déjà eu tout à l'heure. Donne-moi autre chose. Non. Donne-moi un truc marrant. Non, mais un truc marrant, là. Ok. Ça me donne juste de l'attaque. Certes. Ouh, là, c'est du DPS qu'il faudrait, parce que vu que j'ai un coup super large, tellement pété. Oh, il a pas eu le temps d'exploser. Je l'ai annihilé. Cool. Tout ça pour que je le prenne pas. Allez, vas-y, je prends le cœur en passant. Ah oui, merde, j'ai oublié de péter sa gueule. Voilà. C'est gratuit. Maître Capello l'a dit. On y va comme un bourrin, on sent contrebalance de tout ce qu'on fait. Two of spades, the two of spades. Ah merde, je vole pas. Oh ce con. Oh cet idiot. Oh ce gros crétin. Ah merde, je vole plus. C'est vrai, je me fais zapper. Et... Ça t'a explosé par contre. Pas gentil. No cœur. No heart. Allez. Voilà. Allez, t'as pas un autre objet un peu plus fun? Genre une synergie à la con ou un truc un peu marrant? Totalement pété qui serait très drôle? Ah, ça fait rien. Un intérêt. Bah, si, ça a un intérêt, mais pas pour moi là. GG. Ah bah, hey. Best gameplay ever. Ah. Ma meilleure partie de l'année. Non, dirais-je, de ma décennie. Ah. J'adore, à chaque fois, t'as l'os qui pop dans ses bras avant. Il sort de sa bite et hop, il le prend. On devrait avoir le bruit d'un zip qui s'ouvre et hop, il sort son os. He likes to bone his enemy. Il y a fortement des blagues, je suis sûr, sexuelles dans ce personnage. Bon, oh, allez, donne-moi une room là, un truc sympa, juste pour le fun, juste pour le drôle. Là, c'était une tentative totalement misérable de Hush. C'est quand même réussi. Guinness Boost, voilà. C'est ça.
Non, mais tu sais, ils ont carrément inventé un nouveau Guinness Book pour ça. Pff, allez. Fearshot, vas-y. Le Fearshot qui va sûrement faire effet tous les 3 ans. Ouais, trop bien! Trop de la boulette! Trop de la lettre, trop de la boue, trop de la boulette! Tu es pressé? Bah alors, faut mourir, monsieur! Voilà! Faut mourir! Non, mais c'est le Heineken Book là, c'est plus le Guinness! Après, tu peux rien dire, c'est une. Là, je joue très mal. Enfin, je joue très mal, je joue pas sérieusement déjà, donc du coup, ça n'aide pas. C'est de la grosse merde. Je pense sur les gens. Je fais le rhinocéros. Le gameplay rhino. Le plus marrant. Oh, toi, ça, après, je vais pas jouer très longtemps parce qu'à un moment. Je vais aller bouffer. Ah oui, alors. Là, en ce moment, j'essaye de refaire une partie de l'ombre de la guerre, vu que je l'ai fini, en le refaisant en difficulté maximale comme j'avais commencé. Comme j'avais commencé à le faire. Et du coup, j'essayais de clear la première map de ses ennemis, sauf que j'y arrive franchement pas. Et du coup, j'ai un orc qui était mon némésis, en gros. Il était niveau... Ouais, en ultra difficile, le truc où t'as même pas de dernière chance quand tu te fais niquer, enfin tout ça, enfin bon. Et il y avait un orc niveau 85, qui est le niveau maximal du jeu. Genre, j'ai pas arrêté de perdre contre lui, j'essayais de le tuer, tu sais, genre, je m'évertuais, ça. Et en fait, je l'ai tué, mais genre 4 fois, et à chaque fois, il revient, en fait. Parce que je suis pas assez loin dans le jeu pour que mon Némésis disparaisse et que j'en ai un autre. Il reviendra à chaque fois. Donc le mec, il est niveau 85. Donc en gros, il me donne du super stuff. À chaque fois que j'arrive à le tuer, c'est genre... Je mets à peu près 20 minutes à le tuer. C'est genre à chaque fois, je lui fais une attaque furtive. Je vais sur un bâtiment, je remonte tout en haut. Je redescends en attaque furtive. Enfin bon, le gameplay, le pur gameplay est génial. Et, bon voilà. Et il y a des missions où en fait, quand tu laisses les orcs, ils s'affrontent. Et il y a... Cet événement aléatoire qui est un peu comme ça, ou des... Oula, il y a un moustique. Une petite mouche. Et il y a un événement aléatoire qui est... Un orc peut exécuter un autre orc. C'est genre, en fait, il l'a capturé, et le mec, il a plus d'armes et tout, et il va se faire exécuter. Toi, tu peux arriver et foutre le bordel, en tuant les deux, en essayant de tuer les deux ou en tuant un, mais tu peux aussi laisser le truc se faire. C'est-à-dire, tu peux laisser l'orc exécuter l'autre. Et donc, le jeu, il décide de dire, tiens, tu vois ton niveau 85, il y a un niveau 17 qui va l'exécuter. Genre un niveau 17. Je me marie tellement parce que je me suis dit, il va réussir en plus à me le tuer définitivement. Ce qui fait que je laisse le truc faire, je me dis, attends, l'occasion en or de me débarrasser de ce con qui me faisait chier, quoi. Parce qu'à chaque fois qu'il revient, bon, en soi, il me donne du bon stuff, mais... Et le truc, mais... Ah, j'avoue, j'ai une barbe. Et le truc, le mec, il le dessoude. Genre, parce qu'en plus, il doit tuer ses soldats, les soldats de l'autre, et après, il le tue en dernier. Genre, il l'exécute, il lui met un coup de couteau, et hop, c'est un finish, quoi. Il lui fait un finish move. Fatality. Il l'a tué. Mais le jeu a tellement rien compris que... Il y a l'arme qui était par terre, qui a popé, genre. Je m'en vais pour la ramasser. Il y a encore le sprite du mec à quatre pattes, avec les mains derrière le dos, qui était là. Genre, le jeu, il a lui-même fait... Non, mais what the fuck, attends, il est pas censé mourir. Genre, du coup, il a laissé le sprite en transparent. Le sprite immatériel, qui était là, en train d'être encore en train d'attendre de se faire exécuter. Mais je me marrais tellement. Et il m'a fait ça 2-3 coups. Parce qu'en fait, je voulais finir les trucs sur la map. Et pour ça, il fallait que je gagne 2-3 niveaux. Et en fait, en laissant les mecs se faire exécuter, genre, tu fais rien.
Genre, les mecs se font tuer. Genre, tu branles rien, tu gagnes de l'XP. Genre, t'as rien branlé, t'as de l'XP. Voilà, c'est gratuit. Du coup, j'arrête pas de faire ces missions-là pendant un moment en me disant, bah tiens, j'y vais, j'assiste à l'exécution, je gagne de l'XP. Plouf. Des fois, je fais un peu l'espèce de truc secondaire, histoire de dire, tiens, je fais pas totalement rien. Et du coup, ils me niquent tous les mecs qui sont ultra niveau, genre niveau 50, 60. Et je me marrais tellement parce que je me disais, mais c'est improbable. Le jeu qui décide de one-shot ses pires mobs. Pour le fun, pour le lol. Et c'était tellement improbable. Je me suis tellement marré. Si ça avait été joli à regarder... Ah oui, non, mais j'ai cassé le jeu. Si ça avait été joli à regarder, je l'aurais franchement enregistré. Parce qu'il y en a bien pour... Allez, 4 minutes avant qu'il se fasse exécuter. Genre, il serait le temps qu'il fasse les petits et après qu'il arrive à l'autre. Mais c'était tellement drôle. C'est-à-dire que le jeu était tellement cassé, ça m'a trop fait marrer. Et ça m'arrange en plus, parce que du coup, je me suis enlevé le pire mob. Et du coup, les autres, bah du coup, ça rend un peu le gameplay, le jeu un peu plus facile, parce que j'étais un... il était un peu chiant, il venait un peu dans mes pattes à n'importe quel moment, parce que c'était mon ennemi juré, donc voilà. Et du coup, j'étais là, ok, why not? Ah là là. Mais bon, ce qui fait que ça me fait encore plus marrer de jouer à ça. Ah, tiens, on parle sur Discord. J'ai une question, mais je vais attendre que... C'est fini. On n'est pas à ça. Attends, demain. Non, demande. Le mec qui est bourré. Hop. Et le matel. On parle sur Discord. Je peux toujours faire pause. De toute façon, je joue comme un caca. Je joue pas sérieusement, donc... Rien à foutre. Tu es énorme. C'est dommage qu'il fait pas des mobs énormes. Ça aurait été logique. Genre, hop, et il fasse des araignées de beau calibre. Du beau calibre. Putain, il laisse pas d'objets. Ah, c'est des radins. Ah, enfin, quand même. Ouais. C'est vrai que c'est un objet pété quand tu sais l'utiliser, tu te dis, tu le spams, c'est dégueulasse cet objet. Je suis trop bourré d'Ice-T. Alors deux secondes, on m'écrit, donc je regarde. Je coupe le micro, enfin je vais pas lire à haute voix. Mais c'est mignon, les gens ils pensent à moi, ils pensent, oh il est en live, bon attends. De toute façon en plus il est en train d'écouter. Il va se dire, mais non je suis pas mignon. Presse des commémorations. Ah, enfin. Ah oui, c'est vrai, les cérémonies internationales ont été ont commencé à être dites. Putain, les mecs, c'est... Voilà. Point presse 14 mai. Ah, la semaine prochaine. Comment qu'on faisait sur le... Deux secondes, je regarde, parce que on me demande un coup de main pour du logiciel. Donc oh non, ils m'écoutent pas. Oh salaud. J'ai des potes qui m'écoutent même pas. Alors, comment qu'il marche ce logiciel déjà? Oh là. Ça a mis Isaac en PLS, ça l'a fermé. Oh là! C'est bien. Comment tu fais pour entendre ça? Alors... Tu t'es endormi hier. Tu m'étonnes, Panda. Je suis désolé, je reviens, j'aide juste quelqu'un en off, là, parce que... Il y a quelqu'un qui me demande un conseil pour un logiciel qu'on utilise tous les deux. Comment qu'on fait pour... Puis... Attends. Attends, non. J'ai peut-être mal compris ce qu'il m'a dit.
Bon, de toute façon, je pense que je vais arrêter parce que. Là, j'ai pas grand chose. Là, je jouais de la merde. Ça se trouve, en plus, j'ai fait planter Isaac. Je suis désolé, je peux pas jouer à Isaac. Isaac, c'est fermé. J'espère qu'il a pas. Il est pas en PLS. Ça me fait peur parce que je me dis, putain, s'il m'a pété mes sauvegardes, je vais tellement péter un câble. Ouais. Alors là, pas sûr qu'on puisse. Mais non, ouais, je suis désolé, je vais vous laisser, parce que là, au final, je vais devoir faire du... Je fais le technicien. Ah, d'accord, ouais. Je joue au technicien de service. Ouais, du coup. Je vais être obligé de faire ça par Discord en écran partagé parce que sinon c'est que trop chiant à expliquer. Donc je suis désolé, je vais vous laisser. Voilà, bonjour madame, je suis le technicien, c'est ça. Je vais vous laisser, je suis désolé. Peut-être ce soir je reprendrai un live. J'en sais rien, je vais voir. Il y a des jeux, faut que je fasse. Donc je vais vous souhaiter une bonne appétit, une bonne nuit pour certains. Et je vais vous faire des bisous. Voilà. J'ai apporté mes outils.